Très copain avec Kylian Mbappé. Voilà, comme quoi, un Marseillais, un Parisien, ça peut fonctionner. Humilité. Content d'être là, hyper content d'être là. Capitaine. On sait pourquoi maintenant. Et gros chambreur aussi. Le lien entre les jeunes et les anciens. Complexe dans sa personnalité en fait. Il peut être un peu cassant et en même temps on sent qu'il est vachement dans... Il se protège en fait. Patron. La classe. Varane, la grosse classe. Le parfum. Il sent bon. Il sent bon mon cousin. Sacré ambianceur. Enceinte. Enceinte. Rouya. Le Rouya. Charmeur, séducteur, moustachu. Avec un gars comme ça, on peut pas lâcher. En fait. Ouais, remplaçant XXL. Malheureusement, pas pu jouer, mais je pense qu'il a bien vécu quand même sa Coupe du Monde. Un petit peu en retard au rendez-vous, mais pas dans le groupe. L'Espagnol, déjà. La Grinta, quoi. Énorme Grinta et tout petit bébé. Le deuxième Rouya. Angelot, favori de ces dames, bouclettes, cheveux. Il est très mignon, quand tu lui touches les cheveux, ça porte bonheur. Classieux, lui aussi un peu malchanceux. Il fait partie des 23 et il est champion du monde. Supérieur. Entraîneur, manager, papa, oncle, protecteur, un peu chambreur, droit. Didier Deschamps, c'est la gagne. C'est Didier, ouais, c'est pas... La gagne à tous les étages. C'est pas la chatte à Dédé, je pense que c'est la gagne à Dédé. La longueur. Accessible, charmant. Il trouve pas les clés de sa chambre à Clairefontaine, il sait pas où aller, mais super gars. Elle est costaud, lui. Grosse niaque. Un peu, avec Rami, se tirait un peu la bourre. Il faisait des bonnes petites séances muscu. Il lâche rien. La découverte. Gentillesse. Pareil, humilité. Bosseur. Je pense que l'avoir dans son équipe aussi, c'est signe de victoire. Faut juste pas qu'il se mette à chanter dans le bus. Non, il chante faux. Hein. Pa-da-pa-da-pa. N'Golo Kanté. La mascotte. Kirikou même, sourire éclatant, franchement tout le monde le veut dans son équipe. Discret, très bien élevé, comment ça va la famille? Claquette chaussette. Double personnalité, Paul Pogba. Il y a le showman et puis il y a le gosse quoi, avec les yeux qui s'éclairent. Et puis je rajouterai un adjectif, c'est transformation. Taillé patron, guerrier, pasta aussi non? Il aime bien les pâtes, il est prêt à en manger jusqu'au bout quoi. Flotov. Coiffeur. Flotov, il a galéré. Ouais, coiffeur. Il va beaucoup chez le coiffeur. C'est un coiffeur. Non, il est d'une gentillesse aussi pour le groupe. Discret. Chouette gars. Chouchou, je suis contre le Giroud bashing. C'est un guerrier. C'est dingue ce qu'il peut apporter à une équipe. C'est monstrueux. Gentillesse non feinte. Je comprends pourquoi c'est le numéro 9 de l'équipe de France. Quand on se met derrière, on a peur de rien. Discret. Thomas Lemar, super sympa, bon petit joueur de cartes, bon petit chambreur. Bon ping-pong aussi, non ou pas? Pas mal, pas mal. Dembélé, moi je sais pas, j'ai l'impression d'un super héros moderne. Il a une espèce de grâce, de rapidité, d'agilité. D'ailleurs, il ponctue, il fait des petits wesh quand il prend les balles. Intelligence de jeu. Gros blagueur aussi, il adore faire des grimaces. Il boit beaucoup de maté. Maté, ouais. Il va vite. Hein. Révélation, 37 km/h. Il est simple, il est accessible, il est... Maturité, voilà. Hors norme. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.